Ce que vous appelez amour est fondamentalement la douceur de vos émotions. Vous êtes assis ici, vous pourriez ressentir de l'amour pour quelqu'un qui n'est même pas là. Donc, ça n'a rien à voir avec personne. C'est juste la douceur de vos émotions. Maintenant, votre histoire d'amour, votre capacité à aimer, est-elle en démarrage automatique ou en démarrage assisté? Une fois qu'un être humain devient de plus en plus conscient de sa propre nature, il comprend que pour faire l'expérience de l'amour, l'expérience de la béatitude, l'expérience de l'extase, même l'expérience de mode de vie orgasmique, vous n'avez besoin de personne en réalité. Si vous restez juste assis ici, vous pouvez le faire se produire en vous-même. Parce qu'après tout, c'est votre corps, c'est votre mental, c'est vos émotions, c'est votre chimie. Et vous êtes celui qui crée toutes les expériences de votre vie. Parce que les gens ne sont pas conscients de ça, que vous êtes le créateur de votre vie. Vous êtes celui qui crée votre vie comme vous le voulez. La plupart des gens croient encore que leurs expériences sont façonnées par les gens et les situations qui les entourent. Mais ce n'est pas vrai. Les expériences humaines sont auto-créées à 100%. À 100%. Donc, si elles sont auto-créées, là, maintenant, si vous êtes assis ici, choisiriez-vous de maintenir un mental plaisant, un corps plaisant, des émotions plaisantes, une énergie plaisante, ou aimeriez-vous quelque chose d'amer? Plaisant. Donc vous seriez naturellement aimant. Ça ne nécessite personne. Donc une relation, quand vous voyez un homme et une femme, vous parlez d'une relation, parce qu'il y a d'autres aspects qui entrent en jeu. Il peut y avoir un aspect social, il peut y avoir un aspect physique, il peut y avoir un aspect psychologique, il peut y avoir un aspect économique. Il y a divers autres éléments à prendre en compte dans une relation. Nous nouons des relations avec diverses personnes dans nos vies. Vous avez des relations d'affaires, vous avez des relations personnelles, vous avez des relations professionnelles. Donc, fondamentalement, nous nouons des relations pour satisfaire différents types de besoins, ou pour satisfaire les besoins de quelqu'un d'autre, l'un ou l'autre. Ça, c'est une relation. Mais ce que vous appelez amour est juste la douceur de vos émotions. Vous pouvez utiliser une autre personne pour stimuler cela en vous, ou vous pouvez être en démarrage automatique. Voyez, quel est ce besoin d'amour chez un être humain en permanence? Un être humain aspire à être quelque chose de plus que ce qu'il est là, maintenant. Le problème, c'est que vous voulez inclure quelque chose qui ne fait pas partie de vous comme vous-même, c'est là tout l'effort. Si ça a lieu émotionnellement, sur le plan émotionnel, si vous essayez ça, on appelle ça une histoire d'amour. Vous essayez de rendre quelqu'un qui ne fait pas partie de vous, une partie de vous-même, émotionnellement, c'est une histoire d'amour. Si vous le faites consciemment, on appelle ça yoga. Yoga signifie union. L'amour n'est pas une relation. L'amour est une certaine douceur de vos émotions. Que vous regardiez un arbre, ou un chien, ou un homme, ou une femme, ou un enfant, ou juste le ciel, pourquoi ne pouvez-vous pas le regarder avec amour? Parce qu'il ne s'agit pas d'aimer le ciel, il s'agit de la douceur de vos émotions. Si vous le souhaitez, vous pouvez devenir amour, vous pouvez faire de vos émotions un espace très doux. L'amour n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que vous pouvez devenir. Astuce pour l'amour. Pendant 5 minutes chaque jour, asseyez-vous avec quelque chose qui ne signifie rien pour vous. Peut-être un arbre, ou un caillou, ou un ver de terre, ou un insecte. Au bout d'un certain temps, vous verrez, vous pouvez regarder cette chose avec le même amour que vous portez à votre femme, mari, mère, enfant ou chien. Peut-être que le ver de terre ne le sait pas, que l'insecte ne le sait pas. Ça n'a pas d'importance. Si vous pouvez tout regarder avec amour, le monde entier explose en un magnifique phénomène pour vous. Vous réalisez que l'amour n'est pas quelque chose que vous faites, c'est la façon dont vous êtes.
en plaçant vos mains ensemble, les dualités de vos goûts et dégoûts, de vos envies et vos aversions sont minimisées, et il y a une certaine unité dans l'expérience de qui vous êtes.